Good morning, Aleïd, et l'étude sera aujourd'hui les longues chemins d'Avram, Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazal, et Deda, Batester. Si vous souhaitez vous aussi aider, une prochaine étude de Mishnah, qu'on vit dans la 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Tumora, Per Exaïn, Mishnah Bet. Yesh, Bekotche, Bedek, Abait, Machéen, Bekotche, Mizbeach, Shestam, Hegdeshot, le Bedek, Abait, Hegdesh, Bedek, Abait, Chal, Alakol, ou Moalin, Begidou, Leyen. Mishnah Bet qui continue la Mishnah Aleph. On avait commencé à comparer les Alakhot des Kotche Mizbeach et Kotche Bedek, Abait. Kotche Mizbeach, c'est ce qu'on sanctifie pour l'offrir en offrande sur le Mizbeach. Ça peut inclure les animaux, ça peut inclure des oblations de vin, de semoule, d'huile. C'est ce qu'on appelle Kotche Mizbeach. Et il y a Kotche Betagabait, c'est tout ce qu'on va faire en don à la trésorerie du Betamigdash pour entretenir tout ce qui se dirigeait à Yerushalayim, entretenir même le Mizbeach aussi, entretenir le côté architecture du Mizbeach, s'il y avait des fois des trous, s'il fallait repasser un coup de peinture, nettoyer, entretenir, acheter des choses, tout ça, on faisait, ça revenait à la trésorerie du Beth Amikdash. Il y a des halachot spécifiques, c'est deux domaines dans la Torah. Il y a des halachot spécifiques au côté du Mizbeach, où on est plus strict, rigoureux, c'est tout ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, on avait appris plusieurs halachot, sur la Tmura, Pigul Notar Tame, Vladan Chalbanasur, et Shrutechutz, et aussi on avait dit Oman Bisraan, donc cinq domaines, ça faisait un peu plus dans les détails, mais en tout cas, il y avait cinq phrases qui ont été exprimées. Et à présent, dans notre Mishnah, on va découvrir les halachot sur lesquels on va être plus strict dans le Bedek Bait, plus que dans le Mizbeach. Yesh Bekodche Bedek Bait, Mashe En Bekodche Mizbeach. Il y a des halachot plus strictes dans ce qu'on va sanctifier pour la trésorerie du Beth Amikdash, Mashe En Ken Bekodche Mizbeach, que tu ne retrouveras pas dans les Kodche Mizbeach. Qui ne seront pas en vigueur dans les Kodesh Mizbeach. Chez Stam et Gdeshot, les Bedek Abait. Premièrement, tout ce que tu vas sanctifier pour le. Je suis Makdish ça, sans préciser quoi. Je sanctifie mon livre. À quel caisse ça revient? Bedek Abait. Stam et Gdeshot, les Bedek Abait. Le Stam, simplement, sans préciser pour qui tu sanctifies, alors ce sera pour le Bedek Abait, à destination pour la trésorerie du Bedek Abait. Première halakha. Deuxième halakha, Egdesh Bedek Habayit Halalakol. Ce que sanctifie pour le Bedek Habayit, pour le trésorier du Beth Amikdash, ça s'applique sur tout, même des animaux qui vont être impurs, même des pierres. Même si tu sanctifies une pierre, eh bien, elle va revenir au Bedek Habayit. Elle aura une valeur, tu rachèteras la valeur, ou si le trésorier du Beth Amikdash veut l'utiliser, peut-être qu'il peut l'utiliser, je ne sais pas, est-ce que tu as une obligation d'apporter la chose elle-même, tu sanctifies toujours la valeur, j'ai un petit doute sur ça, j'ai déjà vu quelque chose, j'ai un doute. D'accord? Donc, en tout cas, ça s'applique sur tout. Alors que le Mizbeach, ça s'applique uniquement sur les animaux qui sont propres à monter sur le Mizbeach. Ensuite, Umo Alin Begidou Lehen. Et on transgresse l'interdit de Meila sur ce qui va pousser d'eux. L'interdit de Meila, c'est le sacrilège. Quelque chose qui est kadosh, je l'utilise à mon intérêt, à mon profit personnel. Alors, bien sûr, si je sanctifie un animal, qui va être un korban khatat, je l'utilise ensuite. J'ai une vache. Je vais l'utiliser. Je transgresse l'interdit de Meïla. Idem aussi, si je sanctifie mon livre, pour le moment, il est kadosh, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Si tu l'utilises, tu transgresses l'interdit de Meïla. Il y a une Maserhet entière après écrite toute qui s'appellera Maserhet Meïla. Et on apprendra là-bas longuement qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on transgresse l'interdit. On aura l'occasion d'approfondir le sujet. La Mishnah m'enseigne maintenant. Oumalin Begidouleyen. Tu transgresses l'interdit de Meïla sur ce qui pousse de eux. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec une vache qui va fabriquer du lait, ou avec une poule qui va pondre des œufs. Est-ce que maintenant, si je tire profit de cet œuf, si je tire profit de ce lait, est-ce que je transgresse l'interdit de Meïla? Réponse. Si, dans les Kodesh Mizbeach, non. Dans les Kodesh Betkabait, oui. Si c'était Kodesh Mizbeach, donc c'était un korban, alors j'aurais pas le droit, si je tire profit du lait, ou bien si c'était un pigeon que j'ai sanctifié, c'était une femelle, elle va pondre un œuf, et que je vais tirer profit, je transgresse un interdit de Meïla Midera Banane, mais je transgresse pas l'interdit de Meïla de la Torah. L'onéenin velo moalin. Tandis que si je l'ai sanctifié pour la trésorerie du Beth Amikdash, alors c'est un bien, c'est le bien personnel du Beth Amikdash, la mère. Et dans ce cas-là, lorsqu'elle va mettre bas, l'œuf, il sera aussi le bien du Beth Amikdash. Ça appartient à la trésorerie du Beth Amikdash. Si je tire profit de lui, je transgresse un interdit de Meïla. Ve'en ba'em ana'al ha'kohanim. Aussi, c'est une constatation, en fait, que
Dans tout ce qui est coaché, misbéach, il y a des profits pour le Kohen. Tandis que pour les coachés, les Kodachim, tout ce que tu vas sanctifier pour la trésorerie du Benoménage, il n'y aura aucun dividende pour le Kohen. Pour tous les Korbanot, il y aura quasiment toujours, je crois, quelque chose qui reviendra, il y aura peut-être un cas de figure, il y aura toujours, quasiment toujours des choses qui reviennent au Kohanim. Des restes à consommer, la peau du Korban, même un Korban Ola, on va lui dépecer la bête, la peau appartiendra au Kohanim. On va apporter un Khatataof, elle sera mangée par les Kohanim. La plupart des Korbanot, on va faire des dons pour les Kohanim. Et quelques petites exceptions à la règle, mais de manière générale, la plupart des Korbanot, des Kodesh Mizbeach, il y aura toujours un profit pour les Kohanim. Les Kohanim en tireront quelque chose. Tandis que pour les Kodesh Bedek HaBayit, il n'y aura aucun profit, ça ne concerne pas du tout les Kohanim. D'accord? C'est la trésorerie du Beit HaMikdash uniquement qui en tire profit, et c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.